Salut la gang, j'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour un unboxing de mon micro PowerPoint que je me suis commandé. Ça fait longtemps que je voulais avoir ça pour aller à l'Achigan. Souvent à l'Achigan, on pêche dans du shallow, qui est shallow veut dire dans le pas creux. Donc ça me permettrait de rester à une place fixe, puis pouvoir caster à plusieurs places et non me faire dériver par l'eau puis le courant. Donc, sur ça, on commence tout de suite. Yes! Donc, pour commencer, il a fallu que, vu que j'ai un hobby, il a fallu que j'achète le manque hobby, comme vous pouvez voir ici, couleur blanche. Ça va me permettre de mettre ça en arrière de mon kayak. Puis pouvoir mettre le module que je vais vous montrer du PowerPole dessus. Donc, pour le monde qui a des hobbies et qui veulent s'acheter le micro PowerPole, ça va vous prendre ce petit adapteur-là. En fait, elle n'est pas petite, elle est quand même grande. Donc, c'est ce petit manque-là. Donc, ensuite, on va commencer avec ça, c'est la batterie. Dans le fond, moi, j'ai pris, j'ai pas pris le micro PowerPole à câble, je l'ai pris à batterie parce que ça me tentait pas de me reprendre une batterie, la mettre dans le kayak puis tout passer les fils. Donc, à la place, j'ai décidé d'avoir la batterie qu'on peut enlever. Ça vient avec le chargeur. Donc, allons voir ce qu'il y a dedans. Donc, des papiers à lire. Nous avons ici la batterie, comme vous pouvez voir. Oups, elle est sale. Quand on a la batterie ici. C'est quand même une petite à moyenne batterie. Nous avons ici le manche pour mettre la batterie dedans. Puis ici, nous avons, je pense que c'est le chargeur, si je ne me trompe pas. Comment qu'elle s'ouvre? Effectivement, ça ici, c'est le chargeur. On doit plugger ça. Donc, c'est ça. Nous pluguons ça ici, dans le petit module. Et puis ensuite, il faudrait que je vérifie comment... Ah! Vous voyez la petite barre qui est ici en bas. On la fixe dedans, de ce sens ici. Ça se clip dedans. Et ensuite, on peut mettre ça dans la prise de courant et faire charger la batterie. Comme j'ai dit, ça, c'est la manche, d'après moi, qui va sur l'autre affaire qu'on va unboxer. Donc, c'est ça pour le côté batterie. Il n'y a rien d'autre à part un Allen key, puis des boîtes, puis les petits papiers à lire que je vais lire, mais que la vidéo va être finie. La dernière affaire, dans le fond, c'est la grosse boîte qu'on a ici. Le système qui fait descendre la pôle et tout. Donc, sans tarder, allons voir ça. En passant, je ne l'ai jamais ouvert, donc je l'ouvre en même temps que vous autres. C'est pourquoi de faire la vidéo du unboxing. Encore des papiers, garantie. Ça, c'est bon à garder. Vous pouvez enregistrer votre PowerPole. Comme ça, si jamais il arrive de quoi, il brise. Bon, au moins, la compagnie a déjà le numéro de série et tout. Un petit styrofoam. Nous avons ici la manette. Avec le PowerPole, ce qui est le fun, c'est qu'on peut garder la manette sur nous ou vous pouvez la fixer dans votre kayak. Comme ça, ça permet
ça permet facilement, voyons, ça permet facilement de pouvoir peser dessus up and down. On a deux manettes. Je pense que ce n'est une qu'on peut fixer sur le kayak ou aussi le power pole que j'ai là, il fait pour un bateau, il fait sur les kayaks. Donc, on peut fixer lui, que vous voyez ici. On peut le fixer dans le bateau, dans l'embarcation. Puis nous avons l'autre ici, d'après moi, qui s'attache avec le petit harnais qu'on met dans notre trou. Comme ça, ça va super bien. On pèse sur le piton, on va relever ou redescendre. Ensuite, dans cette boîte-là, on a plusieurs affaires. Ça, c'est tous les adapteurs qu'on a besoin pour fixer le power pole dessus. Avec des bolts. Comme vous pouvez voir, des bolts avec un autre Allen key. Nous avons les câbles qu'on a ici. Effectivement, je pensais qu'on avait le choix d'un des deux, soit à batterie ou à câble, mais si jamais vous voulez, ça se vend. Il vient avec le câble, juste que la batterie, je pense que c'est un extra qu'on paye. Faudrait que je vérifie sa facture, mais jamais vous avez des questions, juste m'écrire, puis je vais vous les répondre. Donc, le câble, pour pouvoir alimenter votre power pole, on le branche ici, puis après ça, ça vous prend une batterie pour mettre le courant dessus. Donc, ça vaut pas bien la peine de l'ouvrir, mais c'est le câble pour brancher le hobby. Si on a d'autres petits adapteurs qui vont servir à aller sur le mante, je crois, direct ici. C'est ça, je vais vous le montrer. On a une clamp pour serrer le module. Puis le gros module, il est ici. C'est pas léger. On va enlever le styrofoam, ça va aller mieux. Donc voilà le gros module qui fait que votre pôle à descend et à monte. Les petites affaires rondes ici que je vous parlais, ils vont dans l'autre ici. Ils vont dans ça. Donc, d'après moi, qui fixe dans ça ici. Puis là, on met la clamp que je vous ai montré ici. On la fixe dedans. Puis là, on serre. Ici, on a, si jamais vous voulez le faire à la main, on a le up and down. Je ne sais pas si vous voyez super bien. On a la qualité de batterie. C'est faible ou est pleine. Après ça, on a le Anchor Force. Pour moi, ça dit la force. Je n'ai pas très, très bien lu, là, mais pour moi, ça va dire la force pour que la pôle descende et qu'elle reste ancrée. La pôle, comme vous voyez, elle rentre ici, dans le petit trou ici. Je pense que c'est une pôle de 3 quarts, donc vous pouvez vous servir de peu importe la pôle. Moi, je l'ai ici, je vais vous la montrer dans un instant. Mais peu importe la pôle, ça rentre dedans. Donc, c'est ça le petit module ici. Il est quand même assez pesant. Disons que c'est pas léger. C'est ça la petite machine qui va me permettre d'être super bien ancré. Je vais vous montrer la pôle. Voici la pôle. C'est une pôle de 8 pieds. 8 pieds. Super légère quand même, mais vraiment pas là. Au bout, il y a un... Au bout, c'est fait en spike. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, ça permet de pouvoir ancrer encore mieux que si elle serait plat. C'est 8 pieds de long. Donc, ça permet de t'ancrer, je pense, à 7,5 de profond. Sinon, vous pouvez, comme je vous dis, prendre une pôle 3 quarts en alu galvanisé.
puis d'en prendre une de 12 pieds si jamais vous voulez aller dans encore plus profond, dans 11 pieds et demi. Donc, mais moi, d'après moi, avec une 8 pieds, je vais en avoir assez. Donc, la pôle, elle est faite quand même, avec le petit bout au bout. Donc, c'est ça mon petit review sur le Power Pole. Je sais que c'est en désordre. J'ai peut-être passé vite, mais si jamais vous avez d'autres questions, ou c'est que je l'ai pris. En fait, je l'ai pris de chez Kayak Junkie. Merci à Laurent encore. Ça a été super vite, je l'ai commandé, je l'ai reçu je pense 3 semaines après. Savoir c'est qu'eux autres, Kayak Junkie, ils ne commandent pas direct de chez PowerPole. Ils commandent avec la compagnie Hobby. Donc c'est, je pense qu'il y a un petit délai de plus long. Mais sinon, je l'ai eu à temps pour l'ouverture du brochet, puis à temps pour l'achetant. C'est le petit mount ici que je vous disais qui va sur mon hobby. Je vais le faire peinturer noir. Donc, je ne ferai pas tout de suite parce que je vais faire un review sur l'installation aussi. Donc, la vidéo, il va y avoir un part 2. Donc, ça ne sera pas tout de suite parce qu'il faut que je la fasse peinturer et tout. Donc, ça risque d'être cette semaine la vidéo. Donc, si jamais vous avez des questions à me demander sur le Power Pole, peut-être j'ai passé super vite, mais juste m'écrire, je réponds toujours à vos questions que vous m'envoyez. J'essaie de répondre dans un délai assez vite, des fois je suis occupé, mais juste m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc sur ça, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, puis sur ça, on se voit sur l'eau, et faites attention à vous autres. Salut!